après-guerre, un jeune contremaître qui travaillait sur le chantier de la gare d'Amiens tomba fou amoureux de la fille d'un riche fabricant de tissus. Leur amour était impossible, car la jeune fille était la promise d'un riche négociant anglais. Ils décidèrent de fuir tous les deux afin de vivre leur idylle. Le père de la jeune fille, qui découvrit leur projet, lui fit prendre le premier bateau pour Calais, afin qu'elle ne revînt jamais. Le jeune contremaître l'attendit toute la nuit. Il apprit au petit matin la terrible nouvelle. Triste et inconsolable, il savait désormais qu'il ne la retrouverait qu'au ciel. Ainsi, après de longues études et un travail acharné, il se mit à construire la plus haute tour d'Europe afin de pouvoir s'approcher du ciel et de sa bien-aimée un peu plus chaque jour.